Bonjour, je suis Jean-Pierre. Aujourd'hui, je vais réaliser une peinture. Je vais vous la faire voir parce que c'est un modèle que j'ai demandé, que je trouve très joli. Voilà, c'est un paysage d'un lac avec des arbres très, très, très fins. Ça va être une toile très fine. Alors, pour travailler cette toile, je vais utiliser uniquement, en réalité, deux couleurs. Je vais utiliser un gris neutre et puis un gris de peine. Et du blanc, bien que le blanc ne soit pas, à mon sens, hein, le blanc n'est pas une couleur, hein, parce que nous savons que les couleurs sont créées par la lumière. Je vais vous donner le meilleur exemple. Vous prenez un panneau d'interdiction, hein, tout simple, vous savez, avec la bande blanche, vous la mettez dans le noir, ben le panneau sera noir, le rouge deviendra noir, et le blanc restera blanc. Donc le blanc, en réalité, n'existe pas. C'est la lumière qui crée la couleur. Aujourd'hui, je vais travailler exclusivement avec des pinceaux. Je vais utiliser un petit blush comme ça, un pinceau qui va me permettre de bien étaler la matière, pour que ça soit vraiment très fin. Et vous pouvez utiliser, bien entendu, des pinceaux de maquillage. Vous pouvez les utiliser. Il faut simplement veiller à ce que les poils ne s'enlève pas, hein, sur le pinceau de maquillage, c'est ce qui arrive souvent. En peinture, donc, comme je disais, hein, je vais utiliser du gris de peine et un gris neutre, et le blanc pour essayer d'amener la lumière. Essentiellement, ce sera la lumière. Donc pour avoir, je dirais, cet aspect très, très, comment dire, très fin, très, très, très fin, je vais utiliser du médium, du lin dedans, et voilà. On va commencer, donc. Pour commencer, je vais prendre du blanc, du médium, voilà, que je vais étaler un petit peu partout. Voilà. Ça, c'est juste pour amener, je dirais, là, une fine couche de blanc. Voilà, pour essayer de... Pour mouiller, en fait. On va le faire le plus foncé ici. On va amener le gris ici, voilà, avec le blanc, vous voyez. Et puis on y va. On y va, tout doucement. Voilà. On amène, on dirait de la brume en fait. Voilà, c'est un paysage sous la brume. Ça va être très très fin. Il y a des endroits où ça va être très fin, d'autres, ça sera un tout petit peu plus foncé, ce qui est normal. Hein. Le ciel n'est jamais identique, hein, partout. Il y a cet aspect brillant, hein, parce qu'il y a le médium. Gris neutre avec du gris de peine. Pour ramener cet aspect gris un peu des nuages. Alors, je vais quand même essayer de tracer. Je vais tracer une ligne d'horizon qui sera à peu près ici. Bon, je la trace vraiment grossièrement. Voilà, bon, ma ligne d'horizon sera ici. Voilà. Faut que ça forme un peu, évidemment, comme des nuages. Hein, c'est le ciel, hein, que je fais là. J'utilise le médium, hein, médium painting. Je le mets directement sur ma palette. Voilà. Et je vais le chercher avec le pinceau et je mélange. J'utilise un pinceau très fin. Voilà. Et je continue. Alors là, je vais travailler le blanc, je dirais, avec la toile. Hein. La toile, elle est blanche. Donc, je vais travailler le blanc avec la toile. Alors, le blanc, pour moi, n'est pas une couleur. Je l'amène, évidemment, c'est pour nous, les peintres, le blanc, c'est la lumière, ça nous amène la lumière. J'amène un peu de terre, hein. Il y a de la terre au milieu. Sur le lac, il y a de la terre. It's been 7 hours and 50 days since you took your
rivage, au loin. Voilà. Et pas trop, vous voyez, pas trop, j'appuie pas trop. Continue mon lac. Alors là, on va continuer le lac. On amène un peu de gris parce qu'il y a de l'ombre par rapport à la lumière. Vous voyez ? Alors, je rajoute un peu de médium. Et tout à fait en bas. Ah bah là, en bas, là, c'est quand même noir. Enfin, noir. C'est gris. On arrive dans le gris. Un petit foncé comme là-haut. Il y a de la lumière. La lumière ici dessous. Le reflet de l'eau. Par rapport ici. Tout ça, c'est vraiment très très fin. Avec du médium. Très très fin. Je rajoute un peu de blanc ici. Voilà. Elle passe. Et si on revient sur un peu plus gris, du noir avec du gris de peine, on revient un peu plus bleu, comme le ciel. Alors, là, on a vu. Les arbres. Et on fait des arbres loin. On fait des arbres loin. Voilà, on a une montagne au loin avec les arbres. On voit tout doucement. La lumière est derrière, un peu la brume. Je vais utiliser ça maintenant.
Alors j'utilise ça, le verrou. La brume, l'eau, les vapeurs d'eau qui remontent, la brume au loin, au-dessus des arbres. Les arbres, on va mieux les dessiner après. Voilà. Vous voyez, avec deux couleurs, on parvient à faire quelque chose. Voilà, le ciel, personnellement, il me plaît, je ne vais plus toucher, je vais juste prendre ici, un peu le nuage brune, la lumière qui arrive, qui descend, maintenant on va faire les arbres. Alors pour faire les arbres, je vais utiliser un pinceau, un pinceau très fin, une vitelle avec un tout petit peu de noir. Voilà, je vais utiliser le pinceau éventail. Voilà, c'est très très fin, il faut vraiment y aller doucement. Là, on passe. C'est de l'eau. C'est la nuit, dans la brume.
Ben voilà, on a fait aujourd'hui donc ce petit paysage d'un petit lac à l'horizon, avec un petit horizon très profond et une brume. Ben, je vous remercie, je vous souhaite de passer un très bon dimanche et puis je vous dis à bientôt. Merci.